Bienvenue dans le supplément. Ce soir, le portrait de Laetitia Madjen. Ce nom ne vous dit sûrement rien pour le moment, mais cette Montpelliéraine sera peut-être sacrée championne du monde de full contact et de kickboxing dans quelques semaines. En tout cas, elle s'entraîne très dur pour ça, dans le plus grand anonymat et en essayant de concilier son entraînement avec sa vie professionnelle, une vie faite de sacrifices. En voici un aperçu avec Sébastien Banus et Franck de Tranchant. Commencer sa journée avec des compléments alimentaires et un jus de citron chaud, on est loin de la douceur d'un réveil parfait. Mais l'avantage quand on prépare un championnat du monde de boxe, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de cogiter. Dans quelques jours, Laetitia doit atteindre son poids optimum, alors le confort même au lever, ça fait longtemps qu'elle a abdiqué. Bon, et là, t'as combien à perdre ? 3 kilos pour être large. Mais pas avec le même régime que la dernière fois ? Si. Avec le j'attaque même, le même ouais. Là, celui qui était si pénible. Oui, mais il a été efficace. Ah oui, comme. C'est sûr qu'il a été efficace, mais ça a été dur. Hein. Comme il me garde toute ma masse musculaire, je préfère le prendre. C'est ça. Sûr. Hein. Pour réussir son pari, Laetitia doit se préparer comme une pro, mais avec les moyens d'une amatrice. C'est-à-dire aucun ou si peu. J'ai un flambeur, 2 puristes, 2 sponges en maillot. Pour faire bouillir la marmite, elle est responsable des livraisons dans une enseigne de restauration rapide à Montpellier. Un boulot exigeant qu'elle peut poursuivre grâce au soutien de ses collègues et à un petit coup de pouce pendant sa préparation. Et là, pour les championnats du monde, du coup, je me suis arrangée avec mon patron pour pouvoir commencer à 10h et finir un peu plus tôt. Et donc, c'est vrai que c'est super gentil à lui. Je le remercie encore d'ailleurs parce que c'est pas tout le monde qui le ferait. Là, c'est moi qui livre. Elle est tellement au taquet tous les jours, elle est en forme du matin au soir, que ce soit pour son travail ou en pensant après à son entraînement, parce que dès qu'elle est partie d'ici, c'est pour aller s'entraîner. Elle va se lever le matin plus tôt pour aller courir. Elle est méritante et on lui souhaite de gagner. Il est 15h30, Laetitia est bien arrivée dans sa voiture, mais elle ne part pas tout de suite parce que ça fait presque 9h qu'elle a débuté sa journée marathon. Et avant d'entamer la seconde à la salle d'entraînement, eh bien tout simplement, elle va profiter du calme du garage qui se trouve sous son restaurant pour se reposer et faire une sieste d'une vingtaine de minutes. La première journée est bouclée, les choses sérieuses peuvent commencer. Laetitia est une spécialiste du full contact, mais dans un mois, c'est en kickboxing qu'elle va tenter d'être sacrée. Les coups dans les jambes y sont autorisés, alors pour se préparer, il faut enchaîner de véritables séances de torture pour les tibias. Des capacités à souffrir et à s'adapter, qui lui ont permis de forcer l'entrée de cette salle. Quand elle est arrivée chez Michel Garcia, l'ex-champion de full contact n'était pas vraiment chaud pour s'occuper d'une femme, mais face à l'abnégation de la boxeuse, le bourreau de travail a dû baisser la garde. Je vois en Laetitia ce que je faisais moi quand je combattais. Moi je m'entraînais 7 sur 7, 6 sur 7, et j'arrivais à la salle à 16h, j'en partais, c'était 20h. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à faire ça. Et il faut savoir qu'il y a des hommes, quand ils ont une arcade ouverte, ils ont envie que le combat s'arrête. Laetitia, j'ai planté le doigt avec la vaseline dans l'arcade ouverte et on est reparti au combat. Hein. J'ai dit au médecin de ne pas arrêter le combat parce que c'était un combat professionnel, mais j'ai regardé, j'ai compris. Elle ne voulait pas arrêter le combat. Arcade ouverte, ça pissait de partout. Et j'ai planté ce doigt, j'ai tourné la vaseline de partout dedans pour que ça cautérise au maximum. Il y avait 2 rounds à finir. Elle a fini les 2 rounds, elle a gagné le combat. Séance de récupération. Quand elle ferme les yeux, Laetitia retrace sûrement le chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. De ses débuts à l'âge de 6 ans avec son père comme entraîneur, à cette chance mondiale qu'elle s'est créée à force de travail, une route parsemée de sacrifices et de souffrances pour atteindre son Everest, aller au bout de sa passion et s'offrir la vie qu'elle a souhaitée. Pour moi, après, ce qui est important, c'est de, si j'arrive à gagner ces championnats du monde, si j'ai les médailles d'or, j'aurai un nom. Les gens me connaîtront pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai gagné, et après je pourrai ouvrir ma salle. Voilà, quelqu'un qui s'imagine qu'on joue ma salle, on saura que c'est Laetitia Madjen, championne, double championne du monde, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Bon, voilà, on peut aller dans sa salle parce que j'ai des titres, j'ai une crédibilité. Et donc ça, c'est important aussi derrière.
Laetitia Madjen s'envolera en Serbie avec l'équipe de France le 26 octobre prochain pour conquérir le titre de championne du monde de kickboxing. Elle enchaînera en décembre en Irlande avec le championnat du monde de full contact.